et bienvenue à notre condensé financier quotidien du dimanche. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La sterling est presque inchangée dans les échanges de jeudi car la confiance JFK des consommateurs en Grande-Bretagne reste faible. La paire euro-dollar a enregistré des gains sur la session de jeudi après que le CPI flash de la zone euro est passé à 1,9%. L'or a affiché des gains sur la session de jeudi après les données sur la consommation américaine, mais tout le monde attend les emplois non agricoles. La paire livre-dollar a affiché de légers gains sur les deux dernières sessions, en hausse de 0,3%. Nous voyons un ratio acheteur-vendeur de 1,1 d'après le SST. La paire dollarienne a perdu 0,2% sur la dernière session. Nous voyons un ratio vendeur-acheteur de 1,2 d'après le SST. Le cours du pétrole brut a chuté de 1,8% sur la dernière session. Le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 1,4. Le cours de l'or a connu un mouvement baissier, chutant de 0,2% sur les deux dernières sessions. Le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 3,9. Les commandes aux usines aux États-Unis seront publiées lundi à 14h GMT. La décision de la RBA sur les taux en Australie mardi à 4h30 GMT. Le PIB de l'Australie mercredi à 1h30 GMT. Le PIB de la zone euro jeudi à 9h GMT, le taux de chômage au Canada vendredi à 12h30 GMT et le nombre becquerel russe de forage de pétrole aux États-Unis vendredi à 17h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce dimanche. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.